And now, ladies and gentlemen, it's time inside the cage for 3 5-minute rounds of MMA in the lightweight division. We introduce first the blue corner, standing 179 centimeters tall and weighing at 70.4 kilograms. As a professional, he stands 3 victories to a 1 defeat, representing Forsher Fighting, fighting out of Stockholm, Sweden, presenting Armand Popal. And across the cage, his adversary in the red corner, standing 180 centimeters tall and also weighed in at 70.4 kilograms. As a professional, he stands 4 wins to a 1 defeat, representing OB Fight, fighting out of Paris, France, presenting Yacine Crazy Legs Belhaj. Et là, attention, Cédric, parce que autant Yacine Belhaj est un garçon charmant, hors de la cage, adorable, une gentillesse absolue. On a l'occasion de parler avec lui, l'occasion d'un événement hein, sur, chez nos confrères de RMC. On a animé une émission où il était venu avec David Barr et Tahar Abdi du même team, Obi Fight. Une gentillesse absolue, mais alors dans la cage et lorsqu'il combat, il est dans un tout autre état d'esprit. C'est un garçon qui est focus sur son objectif, quitte à oublier les fondamentaux. Il n'est pas là pour blaguer, il a envie de faire autre chose, c'est combattre. Et il a l'occasion de le prouver ce soir. Il est là pour en découdre. En face à Armand Popal. Il a une position avec vraiment le Suédois. Il est très posé sur ses appuis. Le short bariolé pour le Français. Short noir pour Popal. Le premier à dégainer avec ce high kick. Il a claqué un coup de pied. Ouais. C'est le Français justement, Yacine Belhaj. Il combat avec cette main en avant, cette main ouverte. C'est quelque chose qu'on avait un petit peu, qui avait un petit peu disparu il y a quelques temps. Parce que John Jones était suspendu, Cédric, c'est pour ça. mais qui revient. De toute façon, c'est beaucoup ça aussi dans le combat. On a des espèces de modes, des choses qui apparaissent, qui disparaissent dans les façons de combattre. Mais en fait, on en revient toujours aux fondamentaux. Attention, on dirait que Brar est envoyé par Popal, qui a touché plein menton, plein axe. Yacine Belhaj, qui n'avait pas été assez vigilant sur le coup. Et beaucoup de sérénité malgré tout, beaucoup de tranquillité. Et là forcément que son team en est, hein, notamment par Mickaël Lebout, sera vigilant. Et on parlait tout à l'heure hein, des spécificités liées au karatéka, aux combattants qui viennent du taekwondo. Voilà, là on vient d'en voir une avec une espèce d'hélicoptère. Et c'est en plus d'être spectaculaire, ça marche. C'est des techniques qui sont, si elles sont très bien maîtrisées, qui sont vraiment efficaces. C'est parti trop loin pour Popal. Ça a été bien lu par Yacine Belhaj. On a un Popal qui a vraiment un style très classique. Oui. Qui se déplace, jambe droite en avant. Donc on est encore dans une opposition droitier-gaucher. Encore. On en a eu beaucoup ce soir, je trouve, des oppositions droitier-gaucher. Alors est-ce que le matchmaking a été fait ainsi? Peut-être, c'est possible. C'est la question que je me posais. Possible. On posera la question à Nelson Carvalho plus tard dans la soirée. En tout cas, le matchmaking qui a été intelligemment fait parce qu'on a vraiment vu une carte monter en puissance d'une manière très intelligente. Et ça c'est super. Ah, et c'est ce que cherchent bien évidemment les promoteurs de grandes organisations, mais également les diffuseurs. Hein, parce qu'évidemment, le Lions MC est en train de grandir avec le temps et se propose à la diffusion à l'international. Donc vous qui nous suivez sur internet, vous avez de la chance parce que ce ne sera peut-être pas toujours le cas parce que évidemment plus le temps va avancer et plus le Lions va grandir et du coup les télévisions vont s'y intéresser, les fameux droits tout simplement. Donc, les fameux droits TV, c'est un petit peu le but du jeu, de développer son organisation, de monter en puissance sur la qualité des combats. Bien sûr. Et pour notre plus grand plaisir, on a vraiment des beaux combats ce soir. Le nerf de la guerre est là et pour les combattants évidemment de se montrer le plus possible sur cette belle organisation, faire la différence et toujours autant de tranquillité, de sérénité dans le style du Français. Yacine Belhaj qui contrôle la cage, c'est lui qui est au milieu, l'adversaire qui tourne et il évolue en fonction, même si pour l'instant il n'a pas encore été vraiment touché son adversaire, il n'a pas osé encore enchaîner les mouvements. Alors on a une carte qui a évolué, qui a monté en puissance et aussi on a des combats qui vont de moins en moins au sol. Oui, c'est vrai. Alors, aussi. Pourquoi aussi dans mon analyse, c'est parce que on a des combattants qui sont un peu plus expérimentés et qui arrivent peut-être mieux à se contrer l'un l'autre au niveau de ces techniques d'amener au sol et de ces défenses d'amener au sol. Ouais, ça veut donc dire qu'on laisse moins d'espace, moins de possibilités à l'adversaire, qui a tout simplement moins d'erreurs. Exactement.
chez les combattants actuellement dans la cage. Et puis c'est aussi des combattants qui savent mieux exploiter l'espace de la cage, comme on a quand même une grande cage. Et puis vous voyez quand même le stance, la position de Yacine Bellage pour aller lui chercher les jambes, il faut se lever de bonne heure. Oui, là il a vraiment des appuis très très solides. On sent qu'il y a de la puissance dans ses jambes du côté du français. De toute façon, plus la cage est grande, plus c'est compliqué de se servir de la cage pour amener au sol. Pour le peu qu'on maîtrise bien ses déplacements. Et puis tout le monde n'a pas le talent de Showtime Anthony Pettis de prendre appui sur la cage pour envoyer un kick comme il l'avait fait sur Benson Anderson. Peut-être que Yacine Bellage va nous faire cette surprise. Ah bah alors là, ce serait Crazy Legs. Ce serait extraordinaire. Ce serait extraordinaire. Vous avez peut-être entendu Mickaël Lebeau. C'est le moment, si tu veux faire la différence, il reste 30 secondes. Et il a raison, il suit bien le chrono, Mickaël Lebeau. Le money time de cette première reprise pour faire la différence. Le coup de genou sauté. Et oui, le coup de genou sauté de la part de Yacine Bellage. Et c'est maintenant que doit se faire la différence. On va entendre le claquement des 10 dernières secondes du premier round. Et pour faire peut-être toute la différence dans ces 10 dernières secondes, alors pour aller chercher une amenée, ça va être très compliqué. En revanche, faire une dernière fois la différence et mettre le doute dans la tête des juges, ce ne sera pas le cas. Une première reprise où on a été intelligent d'un côté comme de l'autre, Cédric. On a su se neutraliser, on a su s'observer. Alors bon, maintenant, c'est vrai qu'un combat de MMA, c'est 3 rounds, hein. C'est pas 10 rounds ou 7 rounds. Donc il ne faut pas non plus s'endormir. Tout le combat, c'est bien de s'observer un peu, mais il faut après un petit peu rentrer dans l'action pour éviter de se faire un petit peu entre guillemets avoir comme a pu se faire avoir Georges Sassou sur le combat précédent où il a été un petit peu trop attentiste, même s'il a marqué beaucoup de points, mais ça n'a pas payé au niveau des juges. Alors par rapport à nous, nous sommes tout près du coin bleu. On sent qu'il y en a encore, hein. Il y a encore de la réserve chez Armin Popal pour l'instant. On ne le sent pas au bout de ses forces, on ne le sent pas épuisé. Je regarde ce qui se passe complètement de l'autre côté, à une dizaine de mètres de là. On sent que Yacine Bellage, il est déjà prêt à attaquer lui aussi. Regardez, il est au milieu de la carte. Ah, oui. Parfaite condition physique. Oh oui, et ça c'est un signe qui ne trompe pas lorsque les corners n'ont même pas le temps de sortir, que les combattants sont déjà prêts à réattaquer. C'est vraiment... On se sent bien physiquement d'un côté comme de l'autre. C'est reparti, début de ce deuxième round entre Armen Popal et Yacine Bellage. Ils sont tous les deux dans leur registre de combat et dans leur distance de combat, donc pour le moment, ils ne crament pas vraiment d'énergie. Et autant on pouvait comparer surtout à Thiago Alves, Armen Popal sur l'affiche de Lions FC, dans la cage, c'est quand même moins le cas. Hein. Et pour le moment, il est un petit peu moins généreux. Le slam réussi de la part du Suédois et ça va compter bien évidemment. Et Yacine, c'est tout de suite. Il a une position de. Une position d'étranglement qui se valent, ouais. Il a une position d'étranglement. Mais Armen Popal contrôle la jambe de son adversaire, donc il n'est pas vraiment en danger pour le moment. Il garde cette tête. Voilà. Popal est tout de suite sorti en fait. Il a bien contrôlé cette situation un petit peu dangereuse. Dangereuse de notre point de vue, peut-être moins d'ailleurs pour le combattant lui-même. Hein. Exactement, à mon avis il était dans le contrôle. Ah bon. Parfois on croit qu'on est dans le contrôle et puis rapidement on ne l'est plus. Ça c'est un grand piège hein, chez les combattants, on se dit bon ça va, tranquille, c'est bon, je vais sortir. Et puis boum, ah bah non, je sors pas. Ouais, le jiu-jitsu se joue tellement sur des détails infimes, hein. Vous en savez quelque chose Cédric. Que parfois la surprise elle se joue à, voilà. À un centimètre, à ça. Un doigt, à un bras. Toujours, ça c'est là où il ne faut pas. Pêcher par excès de confiance, c'est vraiment une des choses où il faut faire le plus attention au MMA et en jiu-jitsu. Alors on retrouve les sensations de ce que l'on avait en premier round. Et une nouvelle tentative coup de genou sauté. Coup de genou sauté. Et toujours ce contrôle de la cage par rapport à la distance et à l'adversaire de Yacine Bellage qui est installé au milieu de celle-ci. Oh, et ça revanche, c'est bien fait. Chose. La surprise, Yacine Bellage qui vient s'imposer, la victoire du français du Team Mobifight
Ah, qui est encore dans son combat, hein, qui est presque encore énervé, il n'a pas encore la joie et la satisfaction. Voilà l'arrivée de ces corners qui, va venir, qui vont venir voilà, lui permettre de souffler enfin et de profiter de ce succès. Ah bon, même nous on a été surpris, Cédric. On l'avait pas vu venir. Ouh, l'efficacité au milieu de cette deuxième reprise pour Yacine Belhadj. Très propre. Qui continue donc avec une nouvelle victoire. Et on le disait, avec cet homme, ça ne va jamais à la décision. Et nous l'a prouvé une nouvelle fois ce soir. Encore une fois. Alors on le voit, il est encore dans son combat. Il est encore dans l'adrénaline. Oui. Faudrait lui remettre un deuxième là. Elle serait prête à repartir au charbon. Repartir, là. Avec sans doute une barre d'énergie un peu moins haute. Ah voilà, ça y est, enfin un saut décroché par le sociétaire du team Obi-Fight qui vient donc s'imposer par KO au milieu de la deuxième reprise. La confirmation ne sera donc qu'une formalité pour Buda Johnson. Arman Popol très très déçu. Ladies and gentlemen, our referee called a stoppage to this bout at 2 minutes 10 seconds into the second round. Declaring your winner by TKO Yacine Crazy Legs Belhadj. La satisfaction pour Yacine Belhadj, si vous voulez envoyer des messages insultants à Cédric Deschamps sur sa mauvaise blague, c'est maintenant, hein, évidemment, en commentaire des vidéos que vous voyez. Elle était pas drôle, votre blague, oui, Cédric. C'est moi qui ai bafouillé, vous l'avez peut-être pas entendu, mais j'ai dit Armin oui. Popol, donc j'ai corrigé tout. Oui, mais vous auriez dû bouter derrière. C'est vrai. Laissez profiter cet homme victorieux de son face-à-face. Yacine Belhadj qui donc s'impose une nouvelle fois sur un gros KO. C'est le deuxième gros KO de la soirée après ce celui infligé par Anthony Muller à Kevin Fall.